Et salut à toutes et à tous, c'est Okrad. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Rift. J'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va toujours bien. J'espère juste qu'aujourd'hui j'aurai pas de coupure de courant parce que cet appart commence vraiment à me les briser. Eh oui, il faut le savoir, hier j'ai commencé à tourner cet épisode. Heureusement je n'étais pas très loin, je venais juste de traiter le courrier, donc ça va. Mais du coup ça m'a complètement démotivé parce que j'ai fait ça après le taf et déjà j'étais bien claqué et je me suis dit bon allez on va faire un petit épisode de Rift pour se détendre et là coupure de courant, enfin c'est même pas une coupure de courant, c'est une chute en fait, c'est une chute de courant et ça me gaffe ce truc parce qu'il y a que ça dans cet appart, des petites chutes comme ça, mais c'est genre une micro chute, tu vois, le PC se coupe pas complètement en plus et c'est vraiment une horreur sans nom, et j'ai vraiment, vraiment hâte de me barrer d'ici, parce que là, c'est juste pas possible, parce que moi, ça me foire tout mon enregistrement, parce que la coupure, même si elle fait une fraction de seconde, et que le PC retourne tout de suite, le problème, c'est que ça le redémarre quand même, forcément. Donc voilà, donc je perds mon enregistrement, et ça, quand tu es en train de faire une vidéo et que ça fait une demi-heure que tu bosses dessus, et puis là, boum, tu te prends ça dans les dents et que ton enregistrement est fichu, que tu peux rien récupérer, ça fout les glandes. Ça fout bien les glandes, donc forcément, ça ne me plaît pas des masses. Bref, on va tuer les vars cruels, là. Hop, ça on aura une quête en plus de fait là. Et on va avancer tranquillement, on va avancer. Comme vous pouvez le voir, ou peut-être pas d'ailleurs, j'ai mis un petit mode graphique sur le jeu. Donc je vous expliquerai dans une vidéo comment faire. Hein. Donc c'est pas un truc de fifou, mais regardez si je fais ça. Tac, avant, après. Vous voyez que les couleurs sont beaucoup, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus vives. Et donc ça fait du bien, ça fait du bien sur Rift, sachant que Rift c'est quand même un jeu qui est assez terne de base, donc là honnêtement le petit mode graphique fait du bien, il fait plaisir, surtout quand on voit ça. Oh c'est tout gris, voilà, là je l'ai remis en normal, c'est tout gris, c'est tout cracra, vous me direz je m'appelle Okrad, mais bon quand même, voilà je remets mon petit truc, et je vous expliquerai comment faire, hein. Vous allez voir c'est pas spécialement compliqué, ça fonctionne avec Reshade, et je vous expliquerai tout ça dans une petite vidéo dédiée, je pense que ça peut faire du bien. Voilà, et je vous donnerai bien évidemment mon fichier CFG, histoire que vous puissiez avoir les mêmes couleurs que moi. Pour ceux qui sont absolument fans d'Okrad et qui veulent tout faire pareil, je vous donnerai également la marque de mon papier cul, et... Non, je plaisante. Évidemment, évidemment. Mais voilà, ça, vous verrez que c'est plutôt pas mal. Allez, on va tuer ça. On va fermer ce truc, là. Alors, il est où, lui? Hop, la goule nécromantique, là, on va se la faire avec. On va se la farcir. Allez. Voilà. Donc bientôt également, on va organiser un petit truc sur Rift, normalement ce week-end, donc le week-end du 16, si je dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe dans les dates, j'ai pas mon calendrier sous les yeux. Enfin en tout cas ce week-end, on va organiser un petit truc avec Roro Best, on va faire un cache-cache géant sur Rift. Donc si vous voulez vous tenir au courant, n'hésitez pas, hein, rejoignez la guilde, ou même rejoignez le Discord, même si vous ne faites pas partie de la guilde, vous serez les bienvenus. Et on va faire un petit truc comme ça, et c'est moi qui vais vous chercher, hein, c'est moi qui vais m'y coller. Donc il y aura bien sûr une région, dira-t-on, d'imposer, parce que forcément si je dois vous chercher dans toute la carte du jeu, j'en ai pour 15 heures, donc c'est pas possible. Mais voilà, et bien sûr, puisque qui dit cache-cache dit fun, dit... on va s'amuser et dit surtout, il y aura des trucs à gagner pour vous. C'est-à-dire que les derniers à être retrouvés, hein, donc ceux qui termineront dans les premiers du classement, eh bien, auront le droit à un petit code qui leur permettra d'avoir un petit objet in-game. Je ne dis pas quoi pour le moment. Ça laisse le mystère. Ça se trouve, ce sera un truc tout pété ou ça se trouve, ce sera un truc génial. À vous de voir. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre la guilde. La guilde, c'est Skulls, SKULS, comme indiqué ici à l'écran. Et le Discord, il est là, discord.gg/GQGAZFU. Voilà.
Voilà les amis, voilà comment ça va se passer. N'hésitez pas à demander plus d'informations à RoroBest hein, qui se charge d'organiser un petit peu tout ça. J'avais soumis l'idée dans il y a quelques épisodes comme ça en live. Ou je sais même plus si c'était en live d'ailleurs. Je sais plus. Bref. C'était assez drôle, on s'était bien marré, et puis j'ai dit « Ah bah tiens, à l'occasion, ce serait cool de faire un cache-cache et tout », puis RoroBest, bah, il a dit « Ok, bah moi je prends le challenge, et puis bah, je vais l'organiser. » Ok, ça marche. Moi ça m'arrange, hein, je vous cache pas que ça m'arrange bien, parce que j'ai pas spécialement le temps d'organiser ça. J'ai le temps de faire un épisode où je vais vous chercher. D'ailleurs, il y aura des coupures hein, dans la rediff, évidemment, vous vous doutez bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, message du survivant. Accepté. Hop là, lire le message, blablabla. Ok. Donc ouais, moi j'ai pas le temps de l'organiser, j'ai le temps de le tourner, donc je ferai le montage, etc. Par contre ouais, l'organiser, j'avais vraiment pas le temps et ça aurait pas été pour maintenant si jamais c'était moi qui organisais le truc. Donc là Roro s'occupe du sale boulot, si j'ose dire, et au moins ce sera bien fait, ce sera propre. Et c'est cool, voilà. Alors, trouver le message près de la centrale. Voilà, je me fais les vares cruels là, en même temps. Je pense que je dois avoir des objets dégueulasses. Tac. Ouais. J'avais peut-être un objet gris. C'était pas énorme. Hop là. Sentinelle délabrée. Ça aussi, je dois me les faire, donc du coup, bah, allez à fond. Hein. Et c'est vrai qu'avec le mode graphique, là, les couleurs sont beaucoup plus jolies, plus joyeuses. C'est plutôt cool. Lire le message. Hop. Voilà. Encore un truc là à tuer. On se les fait en même temps. Bon, cette petite zone de quête là me semble pas trop mal. Le cœur de la cité là. Bon, ça va être très vite torché, je pense, parce que c'est pas une grande zone. Et puis elle ressemble un peu à la précédente, mais c'est sympa, c'est là dans la continuité au moins. Ça marque pas une rupture complète avec ce qu'on a vu en architecture avant. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Allez, sentinelle délabrée. On va tous faire, comme ça on est tranquille. Allez, dégage. Voilà. Encore du gris. Voilà. Ah, j'ai mes pets qui sont revenus. Enfin, mes sbires. On va envoyer... Ouais. Ah, quoique non, j'ai Oblivia à envoyer, ouais. Parce qu'elle est pas encore très haut niveau. Et là, je vais envoyer Quadzi. Ouais, Quadzi, c'est bien. Voilà, j'ai envoyé mes deux pets sur des grosses aventures. Tas de viande. Ah, ces trucs artisanaux, bon tant pis. C'est pas grave. Ça, je dois tuer. Allez, on y va. Pas le temps de niaiser! Boum. Ouais, mais comme je disais, ouais, je reviens sur ce que je disais, parce que je me perds encore une fois dans mes paroles. C'est vraiment pas mal du tout, ce mode graphique, j'aime bien. Ça a bien de la gueule, ça égaye le jeu, mais de ouf, quoi. De ouf. Donc, bon, moi, je suis bien content. Je suis bien content de ce truc-là. Merde, ça fallait peut-être que je passe sur le pont. Ah, j'ai fait le fou, là. Ouais. J'ai fait le fifoux. Ah, toi, je vais te tuer, toi. Voilà. Ah bah ouais, mais fallait pas rester là. Hein. Là, tu t'affiches comme ça, tu dis « Tue-moi, Okra, tue-moi !» Bon, bah forcément, tu te doutes bien que je vais te tuer, quoi. À un moment, moi je suis obligé. Et ça s'impose, j'ai envie de dire. Voilà. Allez, 5 sur 8, ça c'est bon. C'est parfait. Donc ouais, à mon avis, je devais aller en haut. Est-ce que je peux rattraper de là? Je pense pas. Je pense que je vais devoir refaire le tour. Ah, quoique. Rien n'est impossible. Alors, j'ai examiné la promenade. Ah, elle est là. J'avais pas vu. Autant pour moi, examiner les cadavres, parfait. Parce que j'ai plusieurs points dans cette quête à faire. Trouver le message sur le mur de rétention.
Il est où ce message? Il doit être quelque part là. Ah, il est là. Ok, nice. Lire le message. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Examiner la terrasse. Bon, j'ai toujours tué les vares, évidemment. Examiner la maison, utiliser la vue spirituelle. Ok, bon, on va faire ça. Bon, là, pour l'instant, il n'y en a plus de vares, donc... Ça, il y en a encore. Donc ça, on va le faire. What? Brute massive, élite. What the fuck? Ça sort d'où, ce machin? Là, je sais pas si je suis de... Si je suis de taille, hein, honnêtement. Bon, je vais déjà me faire le var cruel. C'est un échauffement. J'ai des récompenses de sbire, déjà? Ah, c'était des aventures d'une minute. Ah oui, une minute. J'avais cru lire autre chose. Bon, je vais envoyer Jasper. Hop. Il s'approche dangereusement de moi, là. Voilà. Attends que je fasse mes sbires, mon grand. Ok. Et là, c'est du vent, donc le vent, c'est Quadzi. Allez. Non, non, non. Voilà. Oh, si, ça va. Ça va, il va tomber. Ça va, c'est pas un... C'est pas un surpuissant. Ça devrait tomber assez facilement. Là, ce qui m'a toujours manqué sur Rift, c'est le fait qu'on puisse pas choper des bestioles, en fait. Vous voyez, un peu comme le chasseur sur World of Warcraft. Tu vois, tu peux dresser des bestioles et tout ça que tu trouves dans la nature. J'aurais bien kiffé ça. Ça m'aurait bien plu et je trouve ça dommage qu'il l'ait pas fait. C'est des bestioles qui sont imposées. Alors c'est bien, mais du coup tout le monde a la même bestiole. Et c'est un peu dommage. Mais bon, fais avec. Fais avec, tout le monde ne peut pas... Ah, cet objet propose une quête. Bah, j'en ai besoin du coup. Oh là là. J'ai mon sac qui est rempli. C'est ouf. Ouais, je vais virer ça. Attendez. On va faire un truc. Je vais faire ça. Et je vais vendre des trucs. Parce que là... c'est un truc de ouf. Ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus. Ok. Et je peux pas les regrouper, hein. Ah non. Ah oui, c'est pas la même chose. Ok, c'est le même, la même icône, mais c'est pas la même chose. Ok, très bien. Bon, ça, je vais le jarter. Il y a des trucs qu'il faut que je jarte. Hein. Cela, c'est juste pas possible, quoi. Ouais, non. Ok, c'est bon. On a fait un mini peu de place, mais ce sera suffisant. Voilà. J'ai bien fait de le tuer, dis donc. Je vais tout aggro le truc. Je m'en doutais que j'allais aggro tout le bazar. Mais bon, c'est pas grave. Oula, le son du jeu a merdouillé. Hein. What? Oh, le son du jeu, il fait des drôles de trucs. Il fait piou, piou. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça fait bizarre. Allez, le pet, prends l'aggro. Voilà. Oh, on va s'en sortir, hein. c'est pas bien méchant. C'est pas un aggro trop méchant, encore 3 mobs, c'est gérable. Gérable Junio, évidemment. Voilà. Ah, dégage, la goule nécromantique, là. Ouah, ça va aller vite. Cool. Après, je vais fermer la brèche. Allez, on ferme la brèche nécromantique. Histoire d'être tranquille avec ça. Voilà. Ça, c'est un peu plus long, par contre.
Ok, ça c'est bon. La narite, ça se prend. Putain, mais il y en a des trucs à tuer, hein. Waouh. Nice. Fais ça. Ah bah voilà, j'ai trouvé le message, en plus. Parfait. On va se le faire, apparemment on doit les tuer, donc... Et en plus on est bientôt 54, hein, mine de rien, on monte bien, quoi. Ça, je dois encore tuer. Qu'est-ce que j'ai encore à faire dans le coin? Remettre les dépouilles, tuer les machins... tuer les chevaucheurs du vent et utiliser la vue spirituelle sur un écureuil. Ok. On va faire ça. On va faire ça. Ça, je dois plus tuer. Si, j'en ai encore un, tuer les vars. Bon, on va se le faire. Ce sera toi le dernier, mon gros. À toi l'honneur. Voilà. Pierre du vide, parfait. Ouais. Voilà. Ça, allez, encore un, c'est toi le dernier. Félicitations mon grand, t'as tout gagné. T'as tout gagné, tu m'as énervé aussi, c'est ça. Tu m'énerves, après tu crois que... voilà, moi je laisse pas passer, quoi. Il y a un moment où faut arrêter. Allez, hop, ça dégage. Voilà, je récupère ma petite récompense. Merci beaucoup. Ça, j'ai plus besoin de tuer. Le bazar volant, là, hop. Viens ici. Viens ici. Allez, viens, gamin. Alors... il y en a un peu partout en plus. Ça, encore une fois, c'est des quêtes qui sont absolument pas obligatoires, mais moi je les fais. Ça me rapporte toujours un peu d'XP, un peu de pognon, où il y a au moins quelque chose à gagner, donc ça se prend. Dégage-toi. Bon, je dois plus te tuer normalement, mais bon, tu m'agresses donc... ta faute un petit peu aussi. Ok, nice. Là, c'est quoi ça? Reste déformé. Bon, on va devoir le tuer. Pour passer. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin? Inspecter la zone. Ah, je devais examiner la terrasse. Ah bah, c'est fait, du coup. Ça apparaissait même pas, ça, sur mon truc, hein. Tuer les chevaucheurs agressifs, donc c'est par là. Ah, ils sont là. Ok. On est bien. Je sais pas combien je dois tuer encore. J'en suis à 3. Ah ouais, quand même. 3 sur 8. Donc après celui-là, encore 4. J'en vois 3 à côté de moi. Non, ça, j'avais pas besoin. Je vais aller tuer ces deux-là. Hop, on va se faire celui-là, le deuxième, le troisième, il faudra que j'en trouve un encore après. Je sais pas trop. Je sais pas trop où, mais on va en trouver un. Voilà. Allez, hop, toi, il faut que tu meurs maintenant. Hein. Allez, lâche-moi.
Voilà, 6. Celui du bas. Il est là-bas. Parfait. Oh, s'il y avait un huitième qui pourrait apparaître derrière, là. Qui pouvait. Pardon. S'il y avait un huitième qui pouvait apparaître derrière, ce serait perfect. Mais non. Je vais devoir chercher un peu. Ce serait trop simple, évidemment. Et voilà. C'est très bien. Ok. Alors. Je vais aller chercher un peu plus haut là-bas, on va voir. Peut-être que, sur un malentendu, il peut y en avoir un. Non. Non, c'est totalement des autres ennemis ici, donc non. Oh, il y a encore des drôles de trucs que je vais devoir... Je vais devoir tuer par la suite, mais pas maintenant. De la merde! Là-bas. Youhou! Bon, c'est pas grave, je reviendrai au pire. Hein. Si j'en vois pas, je reviendrai. C'est pas encore trop grave, on va dire. Je vais utiliser le truc sur l'écureuil en attendant. Il est où l'écureuil? Petit écureuil. Ah, il est là l'écureuil. Voilà. Et alors après? Ok. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Sur un rat. On a l'ordre. Ok. Nickel. C'est rigolo cette quête. Donc faut que je trouve un cerf. C'est rigolo parce que j'ai plein de bestioles qui me suivent maintenant. Oh, il y a un truc que je dois tuer. Ah bah je vais le faire direct. Hein. Moi je suis tranquille avec cette quête là. Je vous cache pas que là, terminer cette quête ça me fait plaisir. Ouais! Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ah, un cerf, j'ai trouvé. Ah non, c'est un chevreuil. Oh, ça marchera peut-être. On va essayer. Dans le doute. Ah, ça marche, cool. Les soldats se sont battus et sont morts dans la peur. Au nord. Ok. Et donc, trouver le camp... Bah, j'ai déjà trouvé tout à l'heure en plus. C'est ça le pire. Sans le faire exprès. Je l'avais trouvé tout à l'heure. Ok, bah on y va du coup. Ça va débloquer la suite des quêtes. C'est bien, c'est parfait. Et voilà, certainement que je dois parler à ce monsieur, ouais, évidemment. Fusil pourri, arc pourri. Bon, bah, on va prendre celui qui vaut le plus d'argent, c'est-à-dire tous. Yeah! C'est ça qui est bon! Détruire les poches d'œufs. Tuer les ouvriers de la ruche. Ok, investir point d'âme. Ça, c'est bon! Ça c'est bon parce qu'on est grimpé, on est niveau 54. Et j'ai deux quêtes en plus. Par contre, ici il y a une quête que j'ai pas rendue.
Donc je vais aller le faire tout de suite parce que je reviendrai peut-être pas dans cette partie-là du truc. Donc autant le faire maintenant. Je reviendrai pas forcément dans cette partie-là de la zone. Ouais, je pense pas même parce que ça a plus l'air de partir vers là-bas après. Et à mon avis, on partira vers le fief de l'Orient, juste derrière. Donc on n'y retournera pas, donc je vais aller rendre ça tout de suite. Autant y aller direct et être tranquille avec ça. On fait un petit bout de route ensemble avec la petite monture sympathique. Petite monture éléphant là qui est bien. J'aime beaucoup. C'est marrant parce que du coup j'ai encore les bestioles qui me suivent quand même quoi. C'est sympa. Ouais, je suis sur la bonne route, c'est bon. Allons rendre ça. J'ai envie d'être tranquille avec ce truc. À qui je dois rendre cette quête? Ah, je devais pas me soigner la dernière fois, je vais regarder. Parce que... de la visite. Guérison d'âme. Bon voyage. Non, ça va, c'est bon. Ah, vous tombez bien. Yes, merci, au revoir. Merci Marcia. Bon, on va retourner dans notre zone de quête. Et on se quittera peut-être là-dessus, ou alors je ferai peut-être une petite quête, je sais pas encore. Ça dépend combien de temps je mets. Parce que j'essaye de pas trop dépasser la durée non plus. Puis j'ai toujours peur que l'électricité fasse des siennes. Et ça commence vraiment à être pénible, hein. Je vous assure que cet appartement là, je supporte plus, je dors pas. Il y a du bruit tout le temps. Comme là aujourd'hui, je commence le boulot plus tard, donc. Donc je me suis dit ce matin, ben c'est cool, je peux dormir. Eh ben non, on fait du bruit volontairement, on claque des portes juste pour m'emmerder. Alors que je fais chier personne, quoi. J'ai jamais dit quoi que ce soit. Quand les voisins s'y déplanchent à 2h du matin, tu vois, je dis rien. Je suis plutôt quelqu'un de calme et tout. Et voilà. Et voilà comment t'es remercié. En fait, quand t'es gentil, bah tu te fais toujours... souvent entubé. Ou alors souvent emmerdé par les autres. Donc vaut mieux que je me barre avant que je devienne méchant. Parce que quand mon cerveau se retourne, je ne suis plus le même. Voilà. Donc il est vraiment temps que je change de vie. Donc c'est pas encore pour tout de suite. C'est normalement fin octobre. Alors bien sûr, d'ici fin octobre, il n'y aura plus trop d'épisodes. Il n'y en aura plus du tout même. Parce que j'aurai probablement pas internet tout de suite là-bas. Le temps que ça s'installe. Ah. Le temps que ça s'installe, mais bon, voilà, quoi. C'est... malheureusement, je n'ai pas vraiment le choix. Je n'ai pas vraiment d'autre choix. Et puis, le principal, c'est que même si je suis un petit moment sans internet, c'est d'être bien, me sentir bien chez moi, d'être au calme, d'être vraiment bien, quoi. C'est ça, moi, qui m'importe le plus. Voilà. Parce que qui dit au crade bien... dit au crade qui fait des épisodes et qui se sent bien et qui peut faire des lives et qui peut faire plein de trucs. Alors qu'ici, je me sens tellement pas bien que c'est chaud, quoi. Des fois, j'ai le goût de rien tellement je me sens mal. Tellement je me sens mal ici, quoi. Je me sens pas vraiment chez moi ici, tu vois. Après, c'est peut-être compliqué à comprendre parce que vous y êtes pas, en fait. Vous êtes pas à ma place. Et je sais qu'il y a certainement des gens qui ont des trucs bien pires que ça. Mais c'est une fatigue mentale, quoi. Ils sont en train de nous avoir à l'usure, quoi, si j'ose dire. Donc bon, c'est pas évident. C'est pas évident, mais ça devrait aller. On tient le coup. On va y arriver et on continuera nos aventures en vidéo. Vous inquiétez pas. C'est loin d'être... c'est loin d'être un arrêt définitif, quoi. Si d'un seul coup vous voyez plus d'épisodes, c'est juste que je suis en plein déménagement, ou que je serai en travaux, etc. Mais ça va le faire. Après, quand j'aurai mon chez-moi, on pourra faire des trucs super cool tous ensemble. À commencer par des lives régulièrement. Et quand je dis régulier, c'est genre au moins du live 3-4 fois par semaine, quoi. Même peut-être plus, 4-5 fois peut-être. Je sais pas, ça dépendra de mon planning aussi, parce que ça... mon boulot, pour l'instant, il a pas bougé, hein, c'est toujours le même.
Donc voilà, si j'ai un planning dégueulasse, forcément je ne pourrais pas vous faire de live. Mais par contre, si par exemple je travaille toute la journée, après le boulot, un petit live détente, ça peut le faire. Ça peut le faire. Donc on fera peut-être moins d'heures de live. Vous voyez, avant je faisais des lives de 3, 4 heures, 5 heures des fois. Bah là je ferai peut-être un live d'une heure et demie, mais tous les jours. Donc c'est peut-être tout, d'autant mieux en fait. Voilà. J'en parle comme ça. J'avais pas prévu d'en parler en fait dans cet épisode, mais bon, ça vient tout seul. Donc forcément, bah vous me connaissez hein, quand ça vient. Moi je retiens rien en fait. Hein, c'est... Je parle souvent à cœur ouvert en fait. Je parle très rarement. Je cache très rarement des choses quoi. Ça me jouera peut-être des tours un jour, mais pour l'instant, ça va. Alors, hop, on va terminer cette quête-là. Voilà, et encore une quête de moins. Alors, il y a un truc d'insecte, là. Va falloir que je plonge dans ce caca, je crois. Là, il n'y a rien en dessous. Je plonge. Là. Schlack. C'est normal ou ça marche pas? Ça marche pas? Bon, ça doit pas être ça. Ça doit être ça là-bas. Bon, ouais, bof, pas de toute façon, il est pas terrible. Ah, yes! Là, ça a marché par contre. Tu veux pas mourir, toi? Ouais, voilà, je me disais bien. Défenseur, par contre, je peux pas les tuer comme ça. Je peux pas les tuer avec ce truc là. Les autres si. Donc on va s'occuper des autres. Allez, j'écrase les poches d'œufs. Schlack. Ah ouais. Genre c'est mon compagnon maintenant. What the fuck? Vous êtes trop loin. Ah bon? Ok. On va se faire les deux défenseurs là qui sont en train de m'embêter un petit peu, me taquiner. Ça devrait le faire. Dégage. Dégueulasse cette quête. Bref, allez, go. Dégage. Et puis on a un sacré paquet en plus. Là, ici j'en ai deux. Clac. Voilà, allez, ça dégage, on écrase les trucs. Oula, bel agro là, hop. Ah, le pet, il va venir reprendre l'agro sur lui. Voilà, comme ça, moi, ça me laisse le temps d'écraser ici. Parfait. Perfecto! Muy perfecto! Allez, parfait, c'est très bien.
Oh, il y en a encore un là. Toi, on te tue. Voilà, avec le petit truc. Il y a encore un sac là. Il y a encore des vilains ouvriers. Ça fait très Gataz ce que je viens de dire. Il y a des vilains ouvriers, mais je parle bien des bestioles, évidemment. Et voilà! Chercher le membre de l'expédition de la Cour Nord. J'arrive. C'est pas mal cette petite série de quêtes, j'aime bien. Ça me plaît bien, ouais. Ah, oh, je dois tuer ça? Ouais, bon, c'est pas la priorité. J'ai Aguo. Ah oui, puis pas qu'un peu en plus. Hein. J'ai pas fait semblant au niveau de l'aggro. Bon, ça va aller vite quand même. Ouais, nice. Alors en théorie, il doit être là quelque part, mais il y a plein de bestioles partout. Ah, je crois qu'il est là-bas, ouais. Il est en plein milieu. Fous-moi la paix, gueule terrible! J'ai juste envie de me barrer, là. Allez, dégage. Et après, faut que j'aille bosser aussi, alors... je vais pas m'éterniser. Et surtout, j'ai très 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 peur de cette électricité. Elle me terrorise maintenant. Parce que tu sais jamais à quel moment ça va tomber. Hop, examen. Perfect. Alors, ensuite. Terrasse orientale, on y va. Let's go. Allez. Là. Ça doit être là. Enfin, je suppose. Et allez, encore un. Je suis obligé, j'ai pas le choix, là. Ils sont un petit peu nombreux, donc forcément... Pour passer, à un moment, faut que tu fasses le ménage, quoi. Voilà, ça dégage. Ah non, lui ça va. Il est en mode non agressif. Ok, il y en a un là. Nice. Et le dernier donc. Il est... Oh oui, il est loin. On y va. J'y crois à mort. Je passe par la fenêtre. Regardez. Yaha! Yahoo! Et merde. J'ai fait le fou, encore une fois. J'ai fait le fou! Allez, 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 allez. On va chercher le dernier. Histoire de... Where is it? Where is it? Où es-tu? Merde. Ouais, je suis passé complètement à côté. Mon avis, il devait être là-dedans. Dans ce truc-là. Ah, il est là. Ah, oh, c'est pas vrai. Mais laisse-moi tranquille. Mais laisse-moi. Voilà. Merci. Au revoir. Oh tiens, je vais monter là, ouais, ça va être sympa. Pour la fin, ce sera très bien.
Hop, merci, au revoir. Et voilà. Ah oui, il y en a une belle vue ici, ouais, dis donc. C'est parfait même. Hop, on va faire ça. Et hop, hop, hop. Eh bien écoutez les amis, on va se quitter ici, je vais donc vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao, c'était Okrad, j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je vous dis à bientôt, ciao ciao, c'était Okrad, comme je viens de le dire. Et comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer. Peace, et à la prochaine.